Hey, what's up tout le monde? Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente comment obtenir le passereau Red Bull. Donc, il y a tout simplement une quête. Pour ceux qui n'ont pas rentré de code Red Bull, vous ne pourrez pas obtenir cette quête avant le mois de janvier. Pour ceux qui l'ont fait, c'est ici. Donc, il faut obtenir cette quête, faire sourire l'avant-garde. Donc, vous voyez deux étapes. Tout simplement, il faut faire trois missions dans lesquelles vous validez les balises bleues, les balises d'énergie. Donc, vous allez voir tout simplement le petit logo de la mission, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de le faire sur la Lune. Franchement, c'est là que j'ai trouvé que c'était vraiment le plus simple. Donc vous allez voir, donc je vais accélérer un peu le gameplay, je l'ai laissé en entier exprès pour vous montrer un petit peu la boucle que je fais. Voilà, parce qu'en fait sur la Lune j'ai trouvé que c'était vraiment très simple, j'ai essayé sur d'autres planètes et voilà, c'était vraiment pas évident. La deuxième étape, enfin la deuxième partie de la première étape, pardon, de cette quête, c'est tout simplement de monter rang 3 en fait, de rang 3 vous allez voir tout simplement, voilà, à cette partie là en fait j'ai fini la mission. Mais je peux monter au rang 1 de surcharge accumulée. Donc en fait, vous pouvez continuer à faire la mission. Et voilà, donc en fait, il faut monter jusqu'au rang 3 de la surcharge accumulée. Sachant qu'à partir du rang 2, il y a de moins en moins de balises bleues qui vont spawn. Voilà, mais vraiment sur la Lune, j'ai trouvé que c'était assez simple. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous garder le gameplay en entier pour vous montrer un petit peu la boucle que j'ai fait. Vous voyez, franchement, c'est pas bien compliqué. Mais je vous conseille par contre d'utiliser un passereau d'un raid. Tout simplement parce que vous pouvez accélérer avec L2. Et R2, donc dans les lignes droites, vous irez beaucoup plus vite, ça vous évitera de perdre, parce que vous voyez que le pourcentage descend entre les balises à gauche, ça vous évitera de perdre un petit peu ce pourcentage et de réussir, assez facilement cette quête. Voilà, donc on tourne, voilà, donc je vais m'arrêter ici, vous voyez, je suis quasiment, voilà, je suis monté jusqu'au rang 4, le rang 3 était nécessaire, j'aurais pu m'arrêter un petit peu avant, mais voilà, comme ça je vous ai bien montré comment tourner dans cette zone et qui pour moi est la zone la plus simple. J'ai essayé dans plusieurs zones et celle-ci est vraiment la plus simple pour moi. La deuxième étape de la quête est tout simplement d'aller tuer Sabre 2. Donc c'est tout simplement ce collecteur géant dans l'assaut sur le cosmodrome. Donc voilà, franchement c'est assez simple également. Je l'ai fait avec des randoms, hein. Faut savoir que le matchmaking est toujours présent. Donc je l'ai fait avec des randoms, il n'y a pas de grande difficulté, vous avez vu, on l'a tué assez facilement. Et voilà, donc la quête qui est finie maintenant, vous allez voir qu'il suffit tout simplement d'aller parler à Amanda Holiday. Voilà, et je récupère mon petit passereau de ma quête Red Bull qui s'appelle le Torrent SR0. Il a les mêmes capacités que le passereau Acrobat, donc vous pouvez faire des figures avec. Il a la même vitesse, voilà, vraiment les mêmes capacités, donc il est identique tout simplement au passereau Acrobat. C'est plus un objet collector pour ceux qui ont eu la chance de rentrer des codes Red Bull en avance. Voilà, puis je vous mets un petit peu le skin qui est bleu et gris. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu les logos Red Bull sur le passereau, mais voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss!